Bonjour à tous, c'est IGE Design pour le début d'un petit let's play sur Wirecat the Game. Donc Wirecat the Game, qu'est-ce que c'est? Et bah c'est le jeu de la guerre des clans. La guerre des clans, qu'est-ce que c'est? Et bah c'est une série de livres, la meilleure série de livres au monde. Donc de toute façon vous allez très vite comprendre ce que c'est. Donc j'ai pas encore essayé, donc je sais pas si ce sera moche, si ce sera beau, si ce sera quoi. Et pourquoi je fais un let's play dessus? Parce que je pensais jamais faire de let's play sur ma chaîne au départ. C'est tout simplement parce que c'est ma série de jeux préférée et un jeu sur cette série de livres. J'en cherche depuis perpète. Donc perpète, ça se dit encore ce mot? Ouais, on va tout de suite appuyer sur le bouton New Game. Juste déplacer mon micro un peu, désolé. Voilà. New Game. Donc, on joue Rusty. Donc, c'est officiel. Ce jeu est pas très beau du tout. Ah, d'accord. Non. Non, j'ai pas compris. Si, là on peut pas aller, ça devient rouge, c'est ça? Non, bon, bah. Je sais pas pourquoi Rusty des fois devient rouge. Donc, là on joue Rusty. Donc, un chat. Donc, tout le jeu, on jouera Rusty normalement. Donc, je sais pas. Je sais pas s'il y a toute la série de livres. Donc là, nous sommes dans la maison de nos maîtres. Qui est très mal modélisé. Pour l'instant, ça va être un jeu assez moche. Enfin, bref. Alors, attends, on va le voir, hein. Bien sûr. Juste cacher ça, je sais pas si vous le voyez. Hop, on va monter l'escalier, c'est tout ce qu'on a à faire. Par là, c'est. Ah oui, donc les humains sont appelés des bipèdes. Chez les chats. Donc c'est là que les bipèdes dorment. Je ne peux pas aller là-haut maintenant. Donc le jeu est en anglais. Donc les noms des chats en anglais, je les connais un peu. Enfin, je les connais pas tous. Les noms compliqués, je ne peux pas aussi les dire. Ou alors faudrait que j'y cherche. J'ai juste le site derrière cette fenêtre là. Donc la fenêtre pas d'où je tourne, hein, la fenêtre Wirecat the Game. Donc voilà, donc j'ai des petites connaissances en anglais. Donc là il y a des murs qui ne servent absolument à rien, un piano, enfin voilà, dans le désordre le plus total. Et nous allons sortir de la maison parce que ça a l'air d'être le seul chemin disponible. Et notre Rusty devient toujours rouge quand on va vers la droite et le haut. Sûrement l'ombre peut-être. Allez hop. Alors, rester à l'intérieur ou aller à l'extérieur? Bah là on a vu que ça servait à rien, alors on va aller à l'extérieur. dans ce cas, je reviens, je vais juste chercher justement le site. À tout de suite. Relégeant, donc j'ai trouvé ce code à la con qui était juste marqué sur le site comme indiqué précédemment. Ça m'a pris 5 minutes à le trouver quand même parce que le site est en anglais, il y a beaucoup de texte et tout, donc l'important c'est que je l'ai. Donc 7, 9, 9, 1. 8 1 9. Donc, je sais pas si c'est ça exactement. Cool. Donc on peut aller dehors. Donc alors on se retrouve dehors. Donc maison comme bof quoi. On peut pas re-rentrer à l'intérieur. Dommage. Donc, normalement ici c'est la nuit. Enfin ou le soir. Et normalement on commence dans un Ravenbog. Trop en vouloir. Donc là on a devant la barrière un autre chat qui s'appelle Ficelle. Un autre chat, pas notre chat. Donc c'est un autre ami. C'est notre ami, vous inquiétez pas. Donc on va tout de suite lui parler. Smudge, donc Ficelle. Hey tu es allé dans la forêt? Le dernier chat qui est allé était Henri. Bon, je sais pas qui c'est en français Henri. On va l'appeler Henri. Ah oui, d'accord, c'est. Je me souviens plus de son nom, mais je vois de qui il veut parler. Donc le dernier chat qui a fait ça, c'était Henri. Et maintenant, il est allé chez le Cooper. Donc le Cooper, c'est le vétérinaire. Donc oui, parce que les chats, ça parle pas comme les humains, évidemment. Maintenant, regarde comment il est paresseux. Comment ça l'a rendu paresseux. Ok, donc c'est tout ce qu'il peut nous dire. Oui, donc... je crois qu'on va aller dans la forêt, alors je crois que c'est le chemin là. Oh, on a du poisson ici, ce serait très intéressant. 4 nippes.
Ah. Donc catnip c'est herbe à chat, si je me souviens bien. Bah oui, j'ai déjà vu Hunger Games, j'ai déjà lu Hunger Games, c'est ce que vous croyez. Donc ici normalement il y a des herbes à chat, je crois que c'est ça qui était marqué. Pourquoi elle est là maintenant? Ok, donc il n'y a pas d'herbe à chat actuellement, il y en avait dans le temps. Je lis les textes avant de vous le dire si je me trompe. Donc là on peut aller soit à droite soit en haut parce qu'il y a des chemins et de l'eau. Donc je vais aller en haut parce que je crois que c'est par là. Non, c'est pas par là. Donc là il y a des barrières. Je vous mettrai le lien du site dans la description normalement. Donc nous voilà dans la forêt. Donc là on va rencontrer... Mince. Je sais pas comment je suis fait pour arriver ici. Donc la maison a disparu. La forêt. Donc bah, là on peut voir... Nuage gris, voilà. À ce moment du jeu là, il s'appelle Nuage gris. Donc il va falloir se battre contre lui. Donc je sais pas comment ils sont les combats. Un intrus dans le clan du tonnerre. À l'attaque! Donc là on a un combat. Ah! Bon bah c'est du tour par tour. On peut pas s'enfuir. Donc les animations sont très très moches. Après c'est... Il fait gratuitement le gars. Et puis c'est un fan-made quoi. On va pas trop lui en vouloir, même si ça aura encore pu faire des trucs. Donc je peux me healer, pas possible, je sais pas ce que c'est. Basic attaque, allez hop. Bastion Gaipa, 106. Donc lui c'est heal, plus 210, on ne voit pas sa vie. Donc username, donc c'est Rusty. HP 1119, donc je peux difficilement mourir. SP 737. Donc 274, donc ils utilisent des coups magiques, hein, mais c'est pas comme ça du tout dans le livre. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de chat magique. C'est plutôt réel d'ailleurs, mais c'est à la fois fantastique, c'est assez incroyable. Il ne veut pas mourir, le salon. Et que des minimum heal. Donc 100. Mes SP ne baissent pas. Je vais finir par le tuer. On le finit. Et puis de toute façon ça va être... Ouais, 10 minutes pas, parce que ça a l'air bien. Voilà, donc là on l'a fini. Donc normalement il y a une petite cinématique, quelque chose. Ce serait normal. À moins que le jeu bug totalement là. Non, il y a une petite musique de fin. Donc 98 XP plus 50 A. Ah, je sais pas ce que c'est. Expérience peut-être. Et du Juniper Berry. Donc des baies. Donc on l'a battu. Et puis ça n'a pas l'air de faire grand chose. Qu'est-ce que tu fais ici? Non. Ouais, enfin, c'est assez foireux son histoire, quand même. Bon. Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici, ou pourquoi t'en irais-tu ici? Viens et joins notre clan! Donc, voilà, donc le gars, on le rencontre, on le bat, et puis hop, nous propose de rejoindre son clan. C'est pas comme ça dans l'histoire, elle est beaucoup mieux l'histoire. Enfin bref, donc là il est 8h, donc je vais bientôt aller manger et me coucher. Je raconte ma vie, mais ça sert à rien. Donc on va s'arrêter vers 8 minutes 30, ça m'a l'air pas mal. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Ce jeu a l'air pas très prometteur pour l'instant. Alors je vais continuer et voir si l'histoire reste un peu quand même à moitié fidèle, ce serait bien. Les parties de chasse, ça doit être intéressant, les parties de chasse. Donc, voilà. Salut les gens!